Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Resident Evil 4 et on va faire le chapitre 4-2. Donc on avait mis de côté les lance-roquettes et là on va s'en servir. Ça va bien nous servir, c'est moi qui vous le dis. Je les ai vraiment pas mis de côté pour rien. Ça m'évitera d'utiliser je sais pas combien de balles pour rien et ça va bien le faire. Got some rare things on sale. What are you buying? Ok, rien à améliorer. What are you selling? Is that... Thank you. Is that... Bon. Allez, on vend tout ça. Sauf ça, parce que ça, on en a besoin. Ok, voilà, donc... Du coup, on va se faire un peu de... Comment ça s'appelle? Ouais, de tir. Donc, attendez, hop. Voilà. Ok, donc on va se faire un peu de tir ici, là. Et on va se faire le C, je crois. Je crois que c'est le C, ouais. On va faire le C, comme ça, au moins, bon, on sera tranquille. Alors, tir rapide. Voilà. Ok, nickel. Ouais, c'est bien le C, ok. On va se mettre sur le côté, au cas où. J'ai eu chaud. Putain, elle est en plein dedans. Ok, j'ai eu chaud. Ok, putain de merde. On va y arriver, on va y arriver. Oui, oh, on est pas bon là. On n'est pas les best. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est bon, allez, c'est parti, on recommence. Oh, ça pète autant que ça. Enfin bon. Putain, ça c'est bon ça. Ah. Oh mais c'est pas possible hein. Vas-y, t'es sérieux là? Putain mais allez, là, c'est quoi ce feu d'artifice de merde hein? Oh, c'est chiant quoi. Mais putain, tu vas descendre. Alors lui, c'est soit il descend pas du tout, soit il descend d'un coup, quoi. Allez. Mais putain, il tire tout à coup. Oh, mais... Oh, ça fout des coups d'à coup, mais... Quoi, déjà? Oh, mais ça fout des à coups, mais c'est un truc de fou. D'accord, mais non, ça va pas du tout tirer sur le machin, maintenant. Non mais t'es sérieux quoi. J'ai les 6. Bah ouais, je m'en bats les couilles, franchement j'ai fait de la merde mais j'ai les 6. Alors parlez, oui arrêtez, nanana. Vous avez gagné 6 boutons, je vais terminer, ok ok. Ouais, alors juste. Regardez, on va faire ça. Non, au pire. Changer d'arme. Voilà. Ok. Tir rapide. On va prendre le fusil à pompe. Puis on va essayer un truc. Ah merde, dommage. Ça aurait été marrant de le tuer avec ses propres armes et tout. Ok, donc... Ouais, c'est là. Ok. On va examiner tout ça, puis on verra bien ce que ça donne. Ah, donc, comme d'habitude, on zoome un petit coup. Bah, où est welcome, j'en sais rien, moi. Bon. Ouais.
Comme ça, petit zoom. Bizarre, bizarre. Je dois plus avoir l'œil, l'oreille qui détecte les trucs qui sont bien. Parce qu'il me semblait qu'il y avait plus de choses et tout, et j'arrive plus trop à les entendre, c'est bizarre. C'est la merde. T'as dit super le son, dis donc. Ayesta. Ouais, bah dis, c'est moche tout ça. Hein. Ça me rappelle bizarrement quelque chose, ça. Regardez. C'est à peu près pareil, quoi. À peu près. C'est à peu près. Avec le son un peu modifié, quoi, voilà. Mais sinon, c'est à peu près pareil. Du coup. Voyons un peu ce qu'on a là. Putain, on a masse de grenades et tout. Ça, c'est bon, ça. C'est moi qui vous le dis. Ok, attends, on va ranger un peu les grenades. Voilà. Putain, on a plus de place, quoi. On a plus rien, plus de place, plus que dalle. Ah ouais, j'avais dit que je voulais améliorer ça, c'est vrai. Attendez, hop. Putain, il y a toujours. Oh, il n'y a pas intérêt que ça me suit. Hein. Ok, c'est bon. J'ai cru que j'allais avoir les feux d'artifice tout au long du jeu, tu sais. J'allais dire, oh, vas-y, casse-toi. Faut pas me saouler, toi. Ah, j'ai eu peur, hein. Ok, du coup on va optimiser le magnum, mais juste, enfin juste. Ouais, pour l'instant on va, attendez. Voilà, pour l'instant on va juste optimiser la contenance, voilà, pour gagner 8 balles. C'est déjà pas mal. Ok, donc du coup, hop, on recharge un petit coup. On prend le pistolet, et puis on va aller faire ce qu'on doit faire. Puis comme ça, après, bon, on pourra utiliser nos deux lance-roquettes et avoir plein de place. Ce qui risque d'être plutôt pas mal. Ok, alors toi, tu me tapes. Voilà. On avait vu ça dans le dernier épisode. Oh putain. Allez, crash, crash. Crash le feu, vas-y. Eh ben non. T'as des mondes. Hein. Oh là là. Putain, c'est pas cool ça. Viens là, toi. Bim! T'as le démon là! Hein. Ah, allez, bim! Wouah, j'ai bien cru qu'il allait m'avoir! Tire-toi! C'est chaud là, c'est chaud! Viens là, toi! Eh, bim! Voilà, nickel! Mais non! Mais vas-y, laisse-moi reculer, tête de con là! Tiens! T'as le démon là! Hein. Tu sais plus quoi faire là! Hein. Tu te mets en mode tache de sang, hein. T'as le démon. Ok, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tomber ça, là. Tomber le chariot. Pour pouvoir récupérer, bah, du coup, une dynamite, hein. Comme il y avait écrit sur le tableau, voilà. Ok, c'est parti. On va se faire ça, alors juste. On va quand même faire gaffe, voilà. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le premier levier. Voilà, ce qui va nous permettre quand même de faire avancer le chariot. Voilà. Jusque là. Et donc du coup après l'objectif, ça va être de faire descendre la plateforme là jusqu'à nous. Donc pour ça, bah, va falloir réactiver le courant, on va dire. Non mais arrêtez quand même. Putain. Me casse les couilles lui. Ok, tu sais quoi? On recharge. Genre il tombe pas, tu sais. Wow, Oli, j'ai shooté. Allez, tape, tape, tape. Ah, j'ai 2 ans à taper là. Oh, mais t'arrêtes toi là. Putain, c'est pas possible ça. Hein. Eh, hey, y en a, ils sont chiants, mais c'est un truc de fou. Viens là, toi, viens là, allez, allez. Allez. Voilà, nickel. Attends, non, 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 calme-toi, toi.
Ouais, ok, nickel. Mais qu'est-ce que tu me tires dessus, mon gars? Tu sers vraiment à rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, il devrait tirer là, mais il veut pas, cet enculé. Ça sert à quoi de tirer, de pouvoir tirer des. Mais lance-les, putain, c'est pas possible ça, t'es de con toi ou quoi là? Connard, va. Ah ouais, non, mais il m'a saoulé, mon gars. Putain, il veut pas la lancer, tu sais. L'autre, il a une TNT dans la main, il s'en fout, tu sais. Il la garde tranquille, il la lance même pas. Ah, c'est complètement con à la fin, tu sais. Ok, alors ce qu'on va faire. Ouais, ouais, j'ai compris. Néan, rétablir, ouais. Et après, il va falloir faire attention. Hein. Allez, lance-la là. Tu la lances pas? Putain, t'es vraiment une tête de con. Eh ben putain, dis, tu mets 2 ans. Voilà, nickel. J'aurais préféré qu'il y avait plein de monde, mais bon, c'est pas grave. Non, mais oh, mais à croire que c'est fait exprès, quoi. Hallucinant, ça. Bon, attends, ce qu'on va faire. Parce que là, c'est la merde. Bah, je sais même pas ce qu'on va faire, tiens. Non, en tout cas, on va prendre le sniper, sinon ça va pas le faire. Non, on va pas y arriver. Voilà, ça, c'est fait. Ouais, il est tombé. C'est bon, ça. Enfin, je crois qu'il est tombé. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il monte, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, nickel. Comme ça, c'est bien, tu vois. Alors, juste, je crois qu'elle me fait chier. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, casse-toi. Regardez, on va y arriver petit à petit. Ok. Au cas où, hein, shorter le couteau, ça, on sait jamais. Une fois on fait des petites conneries. Ok, nickel. Voilà, ça c'est bon ça. Attendez, ce qu'on va faire. Ok, voilà, on va descendre. Cache-toi, c'est pas possible. Voilà, ça c'est bon ça, tu vois. C'est comme ça, on fait petit à petit, on avance bien tranquillement et tout. Puis après c'est nickel ça. Ok, alors juste on va se barrer parce que là ça va pas le faire. Putain, j'ai plus de vie, j'ai plus rien, quoi. Oh, c'est quoi ce délire, là? Ça passe à travers, tu sais. Merde, merde, merde. Ok, nickel. Bon, bah enfin. Maintenant, on va pouvoir activer bah, le levier, voilà. On va pouvoir activer le levier et puis pouvoir récupérer la dynamite. Alors, comment il l'allume, ça? On n'en sait rien. C'est le... comment dire... Le secret de cet endroit, c'est qu'on sait pas comment il allume la dynamite. Normalement, il n'y a pas quelque chose, hein. Si, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Il y a quelque chose. Je crois que là-dedans aussi. Non? C'est juste une... Ah, mais arrête de me saouler. Non, ok. Non, mais je pensais. C'est juste une examine. Ah, enfin bon, on s'en fout. Non, non. j'ai pas trop envie que tu me tires dessus. Ouais, je sais qu'elle bloque le passage. C'est pour ça que j'ai pris la dynamite. Voilà, donc là, il faut vite se barrer. Sinon, on est dans la merde. Voilà, donc juste, si vous avez le lance-roquette illimité, ah, vous êtes pas obligé de vous faire chier à faire tout ça, vous voyez. Vous pouvez directement avec le lance-roquette tirer sur le... Voilà, donc avec le lance-roquette, vous pouvez directement tirer sur à la grosse pierre là. Et ça la fait péter et tout instantanément. Et voilà. Ok. Pistolet? Nickel. Bon. On recharge du tout le pistolet. Putain, on a plus de balles de pistolet, t'es sérieux? Oh là là. Bon. Ce qu'on va. Mais ouais, j'avais oublié. Bon, c'est pas grave. Au moins, ça fait de l'argent. Ça fait du fric. Mais ouais, en fait, ce que j'avais oublié... Quoi, j'ai combien? 430...
Non. Ah putain. Tu vois, je savais même pas. J'étais pas au courant. Je l'avais pas vu. Et en fait, là, j'avais oublié. C'est qu'on peut. Merde. Voilà. On va pas tirer, hein, vous inquiétez pas. C'est qu'on peut en fait ouvrir cette cale pour pouvoir faire tomber un. Bah, bon, on va voir, on va voir. Je vais vous montrer. Attendez, juste. On va prendre de la vie. Ah merde, il y en avait là. Bon, attendez. Avant, on va récupérer quand même 2-3 trucs. Voilà. Parce que sinon. Pas le faire. Ok. On va récupérer ça. Ok, nickel. Le reste, on le récupérera après. Attends, je crois qu'il y a. Non, c'est bon, ok. Voilà, donc du coup. On va là. Donc vous voyez que. Ok. Et donc du coup. Putain, on casse les couilles. Et donc du coup ces trolls, enfin il y en a un qu'on peut faire tomber dans la lave en ouvrant le truc. Donc voilà, en appuyant ici là. Et bon, on peut en faire tomber un dans la lave. Mais bon, vu qu'on a deux lance-roquettes, autant en profiter. On va tuer les deux. Mais en fait à la base j'avais complètement oublié qu'on pouvait directement en mettre un dans la lave. Et c'est pour ça que je voulais absolument deux lance-roquettes. Mais je me dis j'ai jamais fait ça, donc je vois pas pourquoi je fais comme ça et tout. Mais en fait c'est parce que j'avais oublié qu'on pouvait en mettre un dans la lave. Sinon bah voilà, j'aurais pris qu'un lance-roquette et puis voilà. Quoi? Mais t'es sérieux là? Mais c'est quoi son délire à l'autre là? L'autre se traverse, c'est normal, le troll boom traverse et tout. Y a pas de souci. Ouais, quoi, lance-roquette? Une roquette? Oh, je m'en fous, je laisse traverser. Quand même, ça va pas me péter une roquette, s'il te plaît, quoi. Vas-y. Non, mais s'il te plaît. Une roquette, le mec se reçoit une roquette, ça le traverse. Je sais pas, il y a un moment, faut arrêter les conneries. Hein. Bon, tu sais quoi, on prendra la vie plus tard. Attends, on va juste quand même prendre celle-là au moins. Voilà. Ah non, c'est pas possible ça. Putain. Non, mais j'y crois pas, tu sais. Le mec qui. Enfin bon. Non, mais. C'est assez hallucinant des fois, comme c'est de la merde. Ok. Allez, on recommence comme tout à l'heure. Ah, ça, par contre, c'est la première fois que j'y arrive. Ok, d'accord. Ouais, ça l'a pas tué quoi. Ça lui fait moins de dégâts que. Parce que j'ai essayé à un moment de les tuer tous les deux en même temps et franchement, jamais réussi quoi. Ok, donc toi tu m'as saoulé. Clairement. Là, ça te traverse pas, j'espère. Voilà, hein. Oh, ça l'aurait traversé, je crois que j'aurais pété un câble. Ok, nickel. Donc vous voyez, donc vous attendez que le troll vienne sur la plateforme. Et je m'en fous. Donc vous attendez qu'il vienne sur la plateforme et là vous appuyez. Enfin, voilà. Pire, vous vous préparez, vous attendez, et là, boum! Vous ouvrez au moment où il est sur la plateforme, et là, il tombe dans la lave et tout. Enfin, bon, voilà. Et puis, je crois aussi que si vous approchez trop d'ici là, et que vous avez mis le. Par exemple, vous faites tomber le troll dans la lave, je crois que si vous approchez trop, après, il vous prend et il vous emmène aussi dans la lave, un truc dans le genre, je crois. Enfin, bon, je sais plus trop. Mais voilà, donc du coup on va récupérer ce qu'on a récupéré tout à l'heure. Vu qu'on est mort. Enfin, on n'est pas vraiment mort, c'est moi qui ai voulu mourir, mais. Vu que ça a fait de la merde tout à l'heure. Du coup. Ouais, on va prendre. Pistolet ou mitraillette? Non, on va prendre la mitraillette. Ça sera plus rentable. Ok, donc là c'est bon. Ouais. Ok, nickel. Je regarde au cas où, tu sais, mais normalement, oui. Ouais, il y avait un bug ici. Je crois que c'est avec le strike. Le fusil à pompe strike. Où tu peux aller plus vite avec ton personnage. Et en gros, tu arrives à traverser le mur et du coup, à venir jusque là, ici, là. Et donc, du coup, à ne pas tuer les. Comment ils s'appellent les. Les trolls, voilà. Donc, à éviter de tuer les trolls pour venir ici, mais bon. Là, il faut acheter le strike. Puis moi, je sais pas vraiment faire, donc. Donc, voilà. Donc, du coup. Ouais, c'est peut-être pour ça. Voilà, donc en fait, en gros, le truc là, c'est que. Voilà, donc ils sont volants. Non. Allez, arrête. Wow!
Merci. Ah, donc si vous voulez, vous pouvez les laisser venir vers vous. Ah, donc évitez de faire un... Enfin... Faites en sorte qu'ils volent quand même. Parce que si vous... s'ils se mettent à terre, ben vous les tuerez pas aussi facilement, quoi. Parce que quoi que ce soit l'arme, s'ils volent, et ben c'est du one shot. Toi, c'est en une balle, ils meurent. Alors que s'ils sont à terre, et ben tu mets beaucoup plus de balles et donc c'est chiant, quoi. Donc c'est pour ça il faut les tuer quand ils sont en l'air et tout. Donc voilà. Et vu que moi j'ai pas mal de sous et que j'ai déjà fini mes... comment ça s'appelle? Vous savez, mais les trucs de bijoux là où il faut des bijoux bleus, des bijoux rouges, tout ça. Et ben j'ai fini de remplir ça, les deux quoi. Les deux, je sais plus comment ça s'appelle. Et ben j'ai réussi à les finir, donc du coup ça me sert à rien que je tue... Enfin que je récupère les bijoux des bêtes. Donc je peux les tuer dans le vide, y a pas de soucis quoi. Ok, donc on récupère la plante, on active. Voilà, et là, attention. Petite bête. Arrête de faire chier. Bim. Ah, t'as le démon là. Il se vient là. Toi. Ok, ça c'est fait. Non, putain. Il vient là. Saloperie. Ok, nickel. Ok, nickel. D'accord. Ok, ça c'est bon. Bam, t'as le démon là. Connasse. À terre, à terre. J'ai dit à terre, ma tête. Voilà, ça c'est... Oh, en plus du bleu, quoi. Ça, ça se vend un peu cher. Je crois que c'est 2000 ou un truc dans le genre. Donc c'est plutôt pas mal. Vas-y. Saoulé. Ouais, bon. On va pas utiliser toutes nos balles. On va s'approcher un peu. Puis comme ça, on va pouvoir les tuer. Ok, venez là. Mais il est où l'autre? J'ai l'impression qu'il est derrière moi. Ok. Alors lui, il vient devant moi, nickel et tout, tu sais. Fais pas chier. Ok, on va commencer à prendre le pistolet quand même. Donc on s'appuie trop à avoir de balles. Ok, donc là c'est fusil à pompe. Ah non, c'est mitraillette. Bah c'est parfait ça. Ok, t'es où? Nickel. Mais t'es sérieux là? Putain, connasse. Vas-y, viens là, là, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu te calmes, ok? Putain, pas possible ça. Ok, nickel. Ouais, ça c'est bon ça. On a deux bleus quoi. Putain, chanceux dans cette game, hein. Franchement, waouh. Ok, ouais, c'est une sorte d'interrupteur, nanana. Active, voilà. Ça fait le rayon cosmique. Ça fait un reflet ultra puissant qui fait fondre la porte. Attention, hein. Waouh. Fondre la porte, quand même. Puissance, quoi. Ah. C'est une tapisserie, ton truc. C'est pas possible, c'est. Non, mais enfin bon. Ok, vas-y, viens là. Putain, mais arrête de mettre la vue vers le bas. Allez, mais je tire dessus, putain, c'est pas... Oh, tu sais quoi, vous allez saouler. Oh, c'est bon, il y en a marre. Wow. Boum. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein? Putain, t'as encore envie, toi? Eh, vas-y. Vas-y, mais ça me saoule, là. Ça tire à côté, là. Eh, j'en ai marre. Vas-y, arrête de me saouler, toi. Mais putain, mais... Oh, mais... T'es où? T'es où? Ah, oh là là, mais j'y comprends. Elle meurt tout seul, tu sais. Je la touche même pas, elle meurt. T'sais. Mais va comprendre, mais... Oh, mais trois! Non, mais j'ai trois bijoux bleus, mais c'est quoi ce délire? Mais c'est même plus de la chance, là. C'est de la triche. Pourquoi je les touche pas?
pourquoi tu voles pas, toi? Allez, vas-y, va te faire foutre. Tu sais quoi, tu m'as saoulé. Je vais te dézinguer comme c'est pas permis. Non, mais c'est bon, j'en ai marre. Tiens, déjà. Voilà. Deuxième coup, paf. Ça fait mal, hein. Connasse, va. Ah ouais, j'en ai marre, là. Il y en a trop, tu sais. Ouais, j'ai tout récupéré. Ouais. Oh, puis, bon. Ok, ok. Cours plus vite que ça, ça peut aider. Vas-y, nique ta mère, c'est bon. L'autre, il est à moitié en train de crever. Mais non, normal. Genre, il se croit en vacances, le mec. Tranquille et tout. C'est limite, le mec, il y a des zombies autour de lui. Oh, nickel. Non, mais s'il te plaît, quoi. Arrêtez les conneries. Ouais, c'est bon. Je crois que là-bas, il y a des balles ou je sais plus quoi. Mais enfin, bon. On va pas aller chercher. Allez, allez, allez. Ok, nickel. Ok. Moi, c'est à chaque fois ici, je me dis... Putain, quand on est là, bien, ça tape. Boum. Sauf que ça tape bien, tu vois, juste sur le personnage. Donc, c'est bizarre qu'il se fasse pas écraser, quoi. Ok, donc tirer. Hop. Là, ça permet de pouvoir passer... au milieu, quoi. Merde. On va pas faire des conneries. Voilà, nickel. Parce que sinon, on n'a pas le temps de passer, en fait. Donc, voilà. Juste pistolet. Putain, j'ai plus de balles. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'utilise trop le pistolet, tu sais. Alors là, hop, deuxième bijou. Ça va nous permettre de... Merde. Ouais, ça va nous permettre de pouvoir le compléter. Puis après, il nous restera plus qu'un bijou à avoir. Et puis voilà. Ok, buddy. Celui-là était plutôt rapide. Hein. Il était plutôt rapide, j'avoue que là... C'est pas génial tout ça. Bon, donc du coup, ouais, bah mort du personnage, hein, j'en ai 7 là, parce que ce jeu, c'est de la merde. Ouais, donc on va sauvegarder. Ok, donc fin du chapitre. Hop, écraser les données. Ok, nickel. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a après? Voilà, donc on regarde un peu ce qu'on a. Je me rappelle bien, il y a un bijou ici. Non, pas du tout. Je dis de la merde. Ok. Ouais. Attends, juste, je regarde un truc. Non, ok, non mais je sais pas. Ah, donc là, le dernier papier du château. Et puis après, on va passer sur l'île. Ah non, c'était même pas le dernier. Ah merde, bah j'espère qu'on va le trouver le dernier. Bon, de toute façon, il reste du temps encore, donc on risque de le trouver. Ok, alors juste... Voilà, donc là on a tout. Ok, puis après, bon, là il n'y a pas encore l'île, mais après il y a l'île. Voilà. Donc voilà, donc je vous montre un peu ce qu'on aura la prochaine fois. Ouais. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles améliorations? Normalement, oui. Pistolet, tout ça. Ouais, Punisher, il y a quoi? Il y a les balles, ok. Balles pour aller à combien? 28. Toi, il y a les balles, ouais, donc, comme d'hab, ok. Fusil, ça c'est bon, ça. Ouais, donc on améliorera le fusil sniper. TMP. Ok, nickel. Juste, on a combien de balles sur chaque arme? Alors, elle, je suis à fond, donc c'est complètement con. Elle, je suis pas à fond. À la limite, peut-être que j'améliorerai elle. Lui aussi, je suis pas à fond. Ouais, donc je vais sûrement l'améliorer aussi. En tout cas, au niveau des contenances. Au niveau de la puissance, c'est sûr, mais au niveau des contenances, par exemple, le pistolet, je vais pas l'améliorer. Ça sert à rien, je vais gagner 4 balles, ça va me servir à rien. Donc, voilà. Ok, donc juste... Ok, bon, bah voilà. Donc on verra bien la prochaine fois ce que ça va donner, tout ça. Puis voilà, hein, on verra bien. Ok. Normalement, il n'y a plus rien d'autre. Voilà, une petite sauvegarde, tout ça. Je regarde quand même s'il y a quelque chose. Ouais, non. Ok, alors, on va voir la clé des trésors. Putain, oh. Vous avez vu tout ce qu'on a? Putain, hallucinant. Donc là, il nous manque. Examiner. Hein? Ah ouais, mais il y avait déjà un truc dessus, il y en avait que deux à prendre.
Ah ouais, j'avais oublié. Donc c'est-à-dire qu'on peut la vendre maintenant. Si elle est à 77... Ah non, 77 000, c'est le... C'est le... Merde, le Magnum. C'est Magnum qui a 77 000. Mais combien on la vend, elle? Je crois que c'est du... 60, 70 000, je crois. Attends, il est où? 48 000. Ah ouais, bizarre. Je m'attendais à plus. Pourtant, elle est complète, hein. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus rien après. Couronne complète, ornée, nana. Et de l'insigne. Ouais, c'est... Bizarre. Ah ouais, donc là, c'est 3 000. Ok. Et donc, si on vend tout ça, ça nous donne quoi? C'est un lion. Wow. Trop de sous en nous. Eh bah dis, ça nous fait des sous, hein. Attention. Ok, donc là il y a le fusil à pompe, pistolet, magnum, fusil. Ouais, bah, qu'est-ce que je dis de la merde? Laissez tomber. Non, je pars dans un délire. Ok, bon, bah j'espère que ça vous aura plu, ce chapitre qui était plutôt court. Non, c'est pas lui. C'est celui-là. Vas-y, arrête tes conneries, toi. Bah non, c'est même pas lui, tu vois. Bah, y'a rien du tout ici. Bizarre. Ok, voilà, ouais, donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine. Hop, faire ça. Youpi. Voilà, donc. On regarde vite fait. Ok, donc ça, c'est la suite. Ok, bah voilà. Donc, on est bien, tranquille. Là, on va faire le train. On va faire le train de ces... Enfin bon. Ça va être assez chiant, mais ça va. C'est pas très compliqué. On est juste en normal, donc ça va. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé. Et puis du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bah ouais, carrément, on est des fous, tu vois. Allez, moi je vous dis ciao. Allez. Ciao tout le monde.